vais essayer. Chers grands CN, chers grands CN, très chers amis, merci. Le premier mot qui me vient, c'est merci. Merci à vous d'être si nombreux ce soir. Merci de votre accueil chaleureux. Merci de vos mots de soutien et d'encouragement. Merci à Orchestral Banlieue et à son directeur artistique, M. Fabrice Cantier, dont la présence marque les moments importants de la vie municipale. Merci aux élèves du chœur La Cantoria, du conservatoire, à leur chef de chœur, Élie, à notre équipe depuis 21 ans. Dans ce moment difficile et injuste pour lui, l'ensemble de l'équipe municipale m'a demandé de dire ici, devant vous tous, notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour Drancy, et vous êtes très nombreux à lui dire tous les jours. Par son énergie, sa compétence, sa détermination pour améliorer la vie des Drancéens, transformer en profondeur notre ville, y créer des conditions de vie où chacun, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses convictions, peut mener une vie de famille normale, s'épanouir et assurer un meilleur avenir à ses enfants. C'est son travail et son projet qui nous ont permis de ne pas sombrer dans le ghetto communiste de nombreuses villes qui nous entourent et cherchent parfois même à nous copier. Du commerce, de la politique du développement durable, que ce soit dans l'éclairage public, les moyens de transport avec 100% de véhicules légers municipaux électriques depuis de nombreuses années, à la géothermie, du renouvellement urbain des cités Pierre-Sémard, Cachin et Jules Auffray, la Cité du Nord et aujourd'hui Gaston Rouleau, au développement du logement privé et social, mais du logement social qui ne produit pas les cités que nos adversaires affectionnent particulièrement. De la compagnie. De l'accompagnement de nos enfants, depuis la maternelle jusqu'aux études supérieures, à la création du quartier du Baillet, du développement des activités culturelles pour tous, à la construction de nouvelles écoles, Jean Monnet, Simone de Veil, Aimé Césaire, Jules Ferry, Simone de Beauvoir, et des gymnases, Jean Racine, Laura Flessel. Quel serait le village de Drancy aujourd'hui si Jean-Christophe n'avait pas été élu maire il y a plus de 20 ans? Nous ressemblerions à Stein, à La Courneuve, à Bobigny. Alors, merci à Jean-Christophe, comme je l'ai lu cette semaine dans Le Parisien. Nous comptons sur la poursuite de son engagement au service de Drancy, comme vous savez pouvoir compter sur nous pour porter notre projet municipal. Partenariat avec l'ESSEC, qui a bénéficié à 5600 jeunes de 11 à 18 ans, fêtera ses 7 ans. La cantine gratuite en élémentaire fêtera ses 16 ans. Le premier salon du développement durable fêtera ses 19 ans. Les clubs plus de plus fêteront. Coucou Facebook, ça va? Moi c'est la fiesta ce soir. Bonsoir! Je suis sur Facebook, attention! Attends, je vais prendre mes affaires parce que là. Coucou, ça va? J'ai pris une nouvelle coiffure, ça vous plaît? Vous avez été